الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. كنا ذكرنا في الفصل مبطلات التيمم أشياء، ذكرنا منها ما أبطل الوضوء، كل ما أبطل الوضوء يبطل التيمم، نواقض الوضوء نواقض للتيمم كخروج الريح والبول والغائط ولمس البشرة المرأة الأجنبية. ثانيها الردة، تكلمنا عنها البارحة، الردة اللي هي قطع الإسلام كان يتلفظ بلفظ كفري كما سبت الله عز وجل أو الأنبياء. وثالثها تجويز وجود الماء في الذهن، تجويز يعني رأى سراب ظنه ماء بطل التيمم، وبالأولى إن عرف أنه ماء، لكن إن علم بوجود الماء أو رأى الماء أو وصل الماء أثناء الصلاة وهو يصلي بعد أن تيمم لا تبطل الصلاة. Alors, c'est un chapitre au sujet de ce qui annule le tayammum, qui est une purification par la terre, qu'on l'a fait par nécessité, si on n'a pas trouvé de l'eau, ou l'eau est nuisible à la santé. Alors, la personne a fait le tayammum, il passe les mains sur la terre, il essuie le visage et les mains, dans l'intention de rendre permise la prière. C'est ce qu'on dit tayammum. Alors ce tayammum est annulé par trois choses. Tout ce qui annule al-wudu annule le tayammum, comme la sortie du gaz, l'urine, le sel, toucher la peau d'une femme ajnabiya désirable, ça annule al-wudu, alors ça annule le tayammum. Ou le sommeil, perdre raison, ça annule l'wudu, alors ça annule le tayammum. Encore en plus, l'apostasie annule le tayammum, n'annule pas l'wudu selon l'imam Shafi'i. C'est quoi l'apostasie? Comme le fait d'insulter Dieu ou un prophète ou un ange ou l'islam ou une loi islamique, c'est une parole de mécréance et ça s'appelle apostasie. Du fait qu'il était musulman et il a mécru, il est apostat, irtad. Alors ça annule at-tayammum. Et la troisième chose, le fait de trouver de l'eau avant de prier ou penser qu'il y aura de l'eau. Il a pensé qu'il y a de l'eau. Et même si après il s'est rendu compte que non, il n'y avait pas, mais il avait une possibilité que ce qu'il a vu c'est de l'eau, même s'il a vu de mirage et il a pensé que c'est de l'eau, le tayammum est annulé. Et à plus forte raison, s'il a trouvé l'eau avant de prier, le tayammum est annulé. On dit comme ça, hadr al-ma batal at-tayammum. On dit comme proverbe, et c'est quelque chose qui est juste, hadr al-ma batal at-tayammum, c'est-à-dire l'eau est là et toi tu as fait le tayammum est annulé puisque l'eau est présente. Mais si tu as trouvé l'eau pendant la prière, c'est lui qui a fait le tayammum et il a prié, pendant la prière, il a trouvé l'eau, la prière n'est pas annulée et son tayammum n'est pas annulé et il complète sa prière. إلا إن كان التيمم في موضع يغلب فيه وجود الماء عادة، لكن هو لم يجده. Sauf si la personne il a cherché de l'eau, il n'a pas trouvé. Mais c'est l'endroit là, il y a de l'eau habituellement. C'est un endroit où souvent on trouve de l'eau. Mais lui, il l'a pas trouvé. Alors il a fait le tayammum, même s'il est dans la prière et on lui a trouvé de l'eau. La prière est annulée, le tayammum est annulé parce que c'est un endroit où l'eau se trouve habituellement. Et il a trouvé, même dans la prière, le tayammum est annulé. Faslon. Mais on a fait une remarque pour les femmes l'autre fois de se taire dans la leçon. Et celui qui ne veut pas se taire, il peut aller en bas ou il reste dehors jusqu'à qu'on fait la leçon. Mais pendant la leçon, on se tait, nuskot, on garde le silence. Et s'il y a un enfant qui bouge, on le prend en bas ou on le fait sortir jusqu'à qu'on termine la leçon.
Ça fait 5-10 minutes que j'ai commencé, j'attends. J'ai dit peut-être ces gens-là, ils vont penser, ils vont savoir, mais on dirait on vit dans un autre monde. Après, les frères, ils me reprochent, oui, tu es en direct, les frères en Chine, on te suit. Oui, comme ça, ils savent qu'on a des femmes qui ne sont pas encore la notion que dans Majlis al-Ilm, on ne parle pas. بيسمعوا انه بسويسرا بعد في ناس تبدا مجلس العلم وفي ناس بعدهم بيحكوا بينطوا كانه ما في شيء. فصل: النجاسات ثلاث، مغلظه ومخففه ومتوسطه. فالمغلظه نجاسه الكلب والخنزير. Alors il a dit au sujet, c'est un nouveau chapitre au sujet de l'impureté. On a trois sortes d'impureté. Il y a l'impureté, comme on dit, mughallaza, c'est-à-dire forte, si je peux dire le terme, mughallaza, c'est une impureté un peu forte, comme je viens de dire, un peu. Et une impureté moyenne, mutawassita, et une impureté, on peut dire, légère, mukhaffafa. Al-najasa al-mughallaza, najasatul kalbi wal-khinzir. Alors, l'impureté forte, c'est celle du chien et du cochon. Parce que l'imam Shafi'i radiyallahu anhu a dit au sujet de la najasa du chien et du cochon, il faut la laver 7 fois, dont une avec la terre. Najasa al-mughallaza hiya najasatu al-qalb wal-khinzir. وليش قلنا يعني قالوا مغلظة لأنها تطهر بغسلها 7 مرات إحداهن بالتراب وفرع أحدهما أي ما تولد منهما أو من أحدهما. يعني الكلب مع حيوان آخر أتى بجرو، أو الخنزير مع أنثى من حيوان آخر أتى بصغير، هذا أيضا نجس نجاسة مغلظة. L'accouplement d'un chien avec un autre animal ou l'accouplement du cochon avec une autre femelle en dehors du cochon, ils ont amené un petit, ils ont eu un petit. Le petit, il est impur encore, puisque comme on dit, son géniteur, c'était un cochon ou un père ou un chien. C'est ça l'impureté forte, c'est celle du chien et du cochon. الدليل عليها للشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: la purification de l'assiette de l'un de parmi vous, si un chien l'a léché, c'est le fait de le laver 7 fois, dont une avec la terre. C'est-à-dire, tu mets la terre dans l'eau jusqu'à ce que l'eau change et tu verses de l'eau avec la terre. Il faut laver 7 fois, dont une avec la terre. Là, en premier, lorsqu'on lave une fois, deux fois, trois fois pour enlever le germe de l'impureté, ça compte une. يعني قد يغسل الإنسان مرة واثنين وثلاثة وأربعة فتذهب عين النجاسة هذه تعتبر واحدة. لو 10 مرات غسلت حتى ذهب عينها جرمها تعتبر واحدة يبقى عليك 6 وإحداهن بالتراب. Si la personne a lavé plusieurs fois pour enlever la quantité, l'impureté même, il a lavé 7, 8 fois, ça compte une, et il faut laver après 6, dont une, il faut mettre de la terre. طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. والخنزير et le cochon. الشافعي قال الخنزير أسوأ حالا من الكلب، فإذا هو أيضا نجس بما أنه أسوأ حالا من الكلب ويغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. يعني إذا جاءت النجاسة الخنزيرية. Alors, Shafi'i, sur quoi il s'est basé? Sur le cochon, qu'il est impur. Il a dit le cochon est pur que le chien. Si le chien, on doit laver l'assiette 7 fois avec une de la terre, alors le cochon a plus forte raison, il faut laver 7 fois, dont une avec la terre. Et ça, c'est par analogie. هذا اسمه قياس. هلا المذهب المالكي عنده الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. يقول يغسل ليس لأن الكلب نجس، بل لأن النبي أمرنا بفعل هذا فنفعله، ليس للنجاسة. ما فهم من الحديث أن الكلب نجس. Alors l'imam Malik رضي الله عنه n'a pas compris du hadith que la purification
de l'assiette de l'un parmi vos assiettes, s'il a été altéré par le chien, il a léché cette assiette un chien, il faut laver 7 fois avec une de la terre. L'imam Malik, il a dit, on le fait puisque le prophète nous a ordonné. C'est pas parce que le chien est impur. Il a dit, c'est possible qu'il soit une chose hygiène. احتمل ان يكون هذا امر لمعنى من معاني الطب لمعنى من معاني النظافه لمعنى من معنى. لكن ما فهم الامام مالك ان الكلب نجس ويجوز العمل بهذا المذهب يجوز on a le droit de prendre l'avis de l'imam Malik à ce sujet et on dit le chien des fois il rentre dans l'eau et il secoue son corps à côté de toi il t'arrose que selon l'imam Malik c'est pas impur le كلب نزل بالماء وانت ماشي نفض نفسه ف جاء عليك هذا البلل عند الإمام مالك هذا كله ليس نجسا لأن الكلب ليس نجس ولكن يغسل من ريقه إذا ولغ في الإناء هلا الطب يقول الريق الكلب هو الذي يحمل بعض الأحيان أمراضا مميتة la médecine dit que oui des fois la salive du chien peut avoir une certaine bactérie une certaine maladie mortelle يعني مرة واحد اجا من بلد عربي ام كي فينو دان بيي عرب اي اون ا با سو سي كوا سيت مالادي فريمون ابري ايزون تروفي كو ايل ا بو دو باسان دو لو دون ان باسان اي لو شيان ا بو افون لوي اي ايل افي سيت باكتيري انه شرب من حوض والكلب كان قد شرب من هذا الحوض فصار الحوض ايش فيه من تلك الميكروبات التي يحملها ريق الكلب فعرفوا بعد فترة عرفوا مرضه حتى استطاعوا أن يعالجوه لكن كان مرضا ليس هينا c'était pas une maladie facile à guérir حاصل voilà vous avez su qu'il y a une divergence et que Shafi'i dit najis impur il faut laver 7 fois dont une avec la terre أما النجاسة المخففة فهو بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لم يطعم غير اللبن أي لم يأكل غير الحليب على وجه التغذي alors l'enfant moins que 2 ans et qui n'a pas mangé autre chose que le lait il n'a pas encore mangé autre chose que le lait l'urine de cet enfant est impure mais une impureté légère à tel point que si tu arroses cette place tu l'arroses par l'eau suffit النجاسة البول الصبي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة يكفي النضح النضح أن ترمي بالماء على هذا الموضع ولا يشترط أن يسيل c'est pas une condition qu'il coule mais ça c'est pour le garçon et pas la fille qui a moins que 2 ans et qui n'a pas mangé autre chose que le lait النجاسة المتوسطة سائر النجاسات الباقية alors impureté moyenne, c'est toutes les autres impuretés à part celui du chien et du cochon, comme l'urine, le sel, le sang, l'alcool. النجاسات الباقية, النجاسات الباقية هي نجاسات متوسطة. الخمر, أنواع الخمور كلها نجسة. الدم كله نجس. البول والغائط نجس الميتة الحيوان الميت نجس لكن إذا مسست نجاسة جافة ويدك جافة لا تنتقل النجاسة on a dit par exemple un animal qui est mort un mouton ou un cheval ou un âne il est mort et c'est impur mais si ta main est sec et le cadavre de cet animal est sec l'impureté ne se déplace pas si tu touches le chien, tu touches le chien, ta main est sec et le chien est sec. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas d'eau sur lui. La najasa, l'impureté ne se déplace pas. هيك بيقولوا بعضهم بيقولوا طاهر أو جاف على جاف طاهر بلا خلاف. هيك بعضهم ils disent جاف على جاف. Quelque chose sec sur quelque chose de sec qui est touché et l'impureté ne se déplace pas. لو أحد جلس على روث البقر والغنم ونعه ناشف وقام ونفض ثوبه يكفي si quelqu'un s'assoit sur les excréments des vaches ou des ânes qui sont secs après il se lève et il secoue le pantalon ça suffit parce que c'est déjà sec et s'il y a quelque chose qui a été touché à attaché ou à la coller il secoue et ça suffit
فصلٌ كيف تطهر النجاسة الآن؟ كيف نطهر النجاسة؟ Comment faire pour enlever l'impureté؟ Pour enlever l'impureté. قال يطهر محل إصابة المحل أصابته النجاسة المغلظة بسبع غسلات إحداهن ممزوجة بالتراب. Alors, une impureté tu lis par les yeux, mon frère. Oui, tu lui dis de lire par les yeux. Une impureté du chien ou du cochon, on l'enlève par le fait de laver sept fois, dont une avec la terre. C'est-à-dire, tu mets de la terre dans l'eau jusqu'à que l'eau change, et puis après, tu verses sur cet endroit. Là où faradna, anno al-kalb lahasa yadaka ou thawbaka, supposons un chien, il a léché ta main ou ton habit. Alors, la langue du chien est humide. Après, tu vas laver une fois, deux fois, trois fois. Une, tu mets un peu de la terre, ou la dernière, ou au milieu, tu mets un peu de la terre et tu laves. Et tu peux, dès le début, tu peux mettre de la terre dedans et tu laves sept fois avec la terre. C'est valable encore. يعني لو أنت وضعت التراب في الماء فتغير فغسلت سبع مرات كلها مع التراب يصح يصح وقضية التراب أنه يزيل تلك الميكروبات والبكتيريا يزيله يساعد على إزالتها la terre ça aide à faire disparaître les bactéries qui se trouvent dans la langue du chien. C'est pour cela on mélange de la terre avec l'eau. وكما قلنا المزيلة للعين وإن تعددت تعتبر غسلة يعني أحيانا بيكون في عين نحن قلنا لحس فيجف إذن لا يوجد عين des fois le chien a léché il y a rien qui reste tu laves sept fois dont une avec la terre mais des fois il y a la quantité il y a l'impureté on la voit alors on a besoin de laver quelques fois pour enlever déjà l'impureté alors ça compte une. Si tu as lavé 4, 5 fois, ça compte une. Après, il faut compléter 6. ويطهر المتنجس بالنجاسة المخففة بإزالة عينها وأوصافها ولو برش الماء عليه أي بتعميم كل موضعها بالماء ولو من غير جريان. Alors, l'impureté légère, c'est le fait, يعني, on essaye d'enlever les caractéristiques par le fait de gicler de l'eau. Si on a giclé de l'eau et l'impureté a disparu par ça, suffit. Même si l'eau n'a pas coulé. Mais si le fait de gicler l'eau n'a pas été suffisante, alors on verse de l'eau pour qu'il disparaisse. Et il s'agit là de l'urine de l'enfant qui a moins que 2 ans et qui n'a pas mangé encore de la nourriture autre que le lait. يعني اللي دالتمون وأما النجاسة المتوسطة فعندنا قسمان l'impureté moyenne il y a l'impureté dont on voit le germe et la quantité de l'impureté il y a une impureté qui a disparu mais on sait que l'endroit a été touché par l'impureté يعني أحيانا هذا الموضع كان عليه نجاسة والآن ما بقي أثر ولكن بعد ما غسل بالماء فهذه نجاسة حكمية ما معنى حكمية الموضع متنجس ولو أن عين النجاسة ذهبت هذه نجاسة حكمية تطهر إيش بسكب الماء عليها ولو لم يجري الماء alors si il y a un endroit que soit le tapis ou ton corps ou l'habit a été touché par une impureté et que par la suite le vent le soleil voilà il n'y a plus rien. Mais on sait que l'endroit a été touché par l'impureté, mais on ne voit rien. Alors c'est ce qu'on dit, l'impureté par jugement, suffit de verser de l'eau sur cet endroit ou sur cette place, et l'endroit devient pur. Et l'eau qui coule, elle est pure, mais pas purificatrice. Al-Najasa, par exemple, Habati Mithal. Des fois, il y a une bouteille d'alcool. Et cette bouteille d'alcool, après qu'elle est vide, des fois elle est utile. Tu peux mettre de l'huile, tu peux mettre le vinaigre, tu peux mettre l'eau. Et il y a des bouteilles qui sont chères, qui sont yani, en bonne qualité. Alors toi, tu as dit, il y avait de l'alcool dedans. Comment la rendre pure?
Si on voit rien et on sent rien, c'est-à-dire tout est disparu, mais on sait qu'il y avait de l'alcool avant, ça suffit de mettre de l'eau et la secouer, et tu verses l'eau et la bouteille devient pure. Tu peux après mettre de l'eau, de l'huile ou autre chose. Parce que كانت هي نجاسة حكمية ذهب اللون والطعم والريح بقي الحكم أن الموضع نجس فإذا وضعت ماء ثم خضطت هذا الماء وأفرغته القنينة طهرت الماء الذي أفرغناه طاهر غير مطهر طاهر لكنه ليس مطهرا يعني لا تستعمله لإزالة نجاسة ولا للوضوء طاهر غير مطهر فإذا النجاسة الحكمية تطهر بجري الماء عليها مرة واحدة وأعطينا مثال القنينة pour le une bouteille comment faire pour la rendre permise. هلا النجاسات الأخرى les autres impuretés dont on voit النجاسة il y a l'urine il y a alors il faut laver jusqu'à que ça disparaît jusqu'à la disparition de l'impureté. يمكن tu laves une fois deux fois et oui le germe est parti mais il y a l'odeur. Alors il faut laver encore. Il y a la couleur, il faut laver encore. Pour qu'il disparaisse les trois choses, le goût, l'odeur et la couleur. يعني تغسل النجاسة حتى يذهب أوصافها من طعم ولون وريح. من طعم ولون وريح. Alors si on a lavé, frotté une fois, deux fois, trois fois, il reste quand même un peu de traces de couleur, c'est tolérable. Si on a fait trois fois et il reste un peu de couleur ou un peu d'odeur, c'est tolérable. إذا غسل وفرك ثم بقي أثر من اللون أو أثر من الريح يعفى عنه. أما إذا بقي اللون والريح معا لا يعفى. S'il restait la couleur et l'odeur, n'est pas tolérable. Il faut laver encore. S'il reste le goût, il faut laver dans tous les cas. Mais s'il reste un peu de couleur ou un peu d'odeur et on a lavé plusieurs fois, c'est tolérable et l'endroit est devenu pur. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.